Moi, j'ai une voix qui est forte, voilà. Il baisse plutôt pour moi, parce que je parle trop fort. Il ne faut pas hésiter à parler fort. Donc, des golfs ici, on en a présenté pas mal, depuis qu'on présente des voitures, des golfeurs notamment, avec Denis, qui ne doit pas être loin, d'ailleurs, dans les parages. Par contre, une Golf 1 cabriolet, j'ai pas de souvenir. Après, ma mémoire peut me jouer des tours. Alors celle-ci, elle est un peu particulière. Quand je l'ai vue tout à l'heure, je me suis approché de toi et tu m'as dit « Ah, celle-ci, elle n'est pas comme les autres. Pourquoi ? Parce qu'elle vient des USA. » Elle a été vendue en 1987 à San Diego. Alors en 1987 à San Diego, ouais. C'est où ça, San Diego ? Californie. Californie, ça je le savais. C'est pour les gens qui ne savent pas. C'est en bas. En Californie, au sud. La zone des cabriolets. Les États-Unis. Voilà. Donc elle a été vendue à cette époque en 86 à San Diego. 87. Et comment ça se fait qu'elle est arrivée ici ? Alors c'est une Française qui travaillait aux États-Unis qui l'a achetée dans une concession où ils vendaient Volkswagen et Peugeot. Ah bon, ouais, San Diego. Des marques européennes. Multimarques. Oui. Et multimarques. Donc, quand elle est rentrée en France, elle l'a rapatriée. Donc, elle a été. Elle a pu la laisser là-bas, ouais. Non, elle l'a ramenée. Elle l'a ramenée. Et donc, elle est passée aux mines à titre individuel pour pouvoir avoir un nouveau certificat. Oui, parce qu'une voiture USA, elle n'était pas homologuée en Europe, notamment non, en France. Non. D'accord, donc elle est repassée au milieu. Voilà. Et donc, moi je l'ai rachetée. Et... Donc elle est revenue en France d'abord, en quelle année d'abord elle est revenue Elle est revenue. Non, c'est des années 85, je crois. Ah oui, 85. Oui. Et moi je l'ai rachetée en 87 à cette place. D'accord. Mais la voiture est de quelle année, tu m'as dit 80. Je ne comprends rien du tout ce que tu dis. 2004. Ah bon, parce que là je ne comprenais rien, il n'y a plus de public non plus. Non. Elle est 87, elle est rentrée en France en 2015. Moi, je dirais 2015. D'accord. Alors, c'est une voiture qui avait beaucoup roulé aux USA ou pas ? Non. Le compteur a été changé parce qu'il était en rail et il était bloqué. Ah, donc on a remis un compteur européen. Ce qui n'est pas très compliqué à trouver. Non. Mais par contre, le kilométrage, il est allé à 130 000 km. Alors, les particularités de cette voiture. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la particularité des cabriolets Golf 1, vous savez que la Golf 1 est sortie, la berline est sortie en 1974. Après, il y a une version GTI, cabrio. Et quand la version 2, la Golf 2, est sortie en 84, je crois, je ne suis pas trompé, eh bien, ils n'ont pas sorti de cabriolet. Ils ont continué sur la version tout à fait. Pourquoi ne me demandez pas. Donc la version Golf 1 cabrio a perduré contrairement à la Golf berline qui elle s'est arrêtée en 84. Donc elle a suivi aussi l'évolution des Golf 2 au niveau des moteurs notamment, ouais. Même si les dernières Golf 1 avaient celle-ci a un 1800 catalysé, mais injection. D'accord. À les États-Unis, énorme en pollution, anti-pollution plutôt, sont assez draconiennes là-bas. On a encore sur cette version, on a des pare-chocs USA, des gros pare-chocs. Ça sont des premières Golf là-bas. Golf 1, vous avez bien ce type de pare-choc. Quand vous regardez des séries américaines, vous voyez bien que les Golf 1 à l'époque avaient déjà ce type de pare-choc. Donc pas très très beau, mais il y a eu pire. Il y a eu pire. J'ai vu des pare-chocs deux fois plus longs. Donc avec les clignotants du coup intégrés au pare-choc. Mais en plastique, ça reste en inox. Hein, je pense inox. Avec des embouts plastiques, mais la partie centrale reste SFR. Regardez, mettez la main pour prendre l'épaisseur. Mettez la main. Ah oui, putain. C'est des IPM qu'ils ont mis. Incroyable. Je pense que la 0,2. C'est impressionnant. Je pensais être. Parce que vous vous rappelez des Golf 1 à l'époque, les premières, avec des petits pare-chocs inox. Vous les preniez, vous les sortiez comme ça. Ben là, vous pouvez y aller. Hein. Ça fait pratiquement 1 cm d'épaisseur. Incroyable. C'est énorme. Le poids que ça doit faire. Et on a le même à l'arrière, bien oui, sûr. Tout à fait.
Ah, t'enlèves ça, déjà, t'as gagné 50 kilos. Alors, j'exagère. C'est voilà. L'énorme. C'est l'énorme draconien. Tu vais résister à 5 packs en 4 shots. Voilà, l'énorme américaine était draconienne. Et je pense qu'ils ont mis ça pour être tranquille. Hein, je pense que les supports sont montés sur des petits virages. Donc, cette voiture-là, par rapport à un modèle européen, niveau carrosserie, à part les pare-chocs, ne diffère pas tellement. On a des longues portées, bien sûr, dans la calandre. Ça devait être fait d'origine, selon les USA. On a bien sûr, comme toutes les voitures USA, ces petits feux-là, qui sont réglementaires là-bas. Toutes les voitures ont des petits catadiopes latéraux. On les retrouve à l'arrière également. Voilà. On retrouve le rail de chemin de fer, pareil, à l'arrière, qui est aussi épais, qui est impressionnant. Et sinon, le reste de la voiture, alors ça aussi. C'est le feu, le troisième feu qui existait déjà, effectivement. Voilà, aux yeux et ça. Et qu'on a imposé après en Europe. Parce que c'est vrai que quand on regarde loin, ces feux-là, on les voit mieux que les petits feux. Hein, pareil que les feux, d'ailleurs, hein, sont toujours restés petits sur ce modèle-là. Le modèle cabrio a toujours eu les petits feux. Parce que c'était trop compliqué d'adapter les feux plus larges qu'avaient les Golf 1 Phase 2. C'était trop compliqué de redessiner toute la partie arrière. On est toujours resté sur les petits feux. Ce qui permet d'ailleurs aux propriétaires aujourd'hui de Golf 1 Phase 1 d'avoir encore des feux disponibles. On trouve ça assez facilement. La capote. À l'époque, hein, les capotes chez Volkswagen, c'est pas, ils rigolent pas. Hein. C'est doublé, c'est épais. Trois épaisseurs. Waouh, c'est super épais. C'est pas de la capote de Spitfire ou qui sera assez légère. Là. Donc on a un intérieur cuir. Oui. Blanc. Et blanc. Alors je sais pas pourquoi les Américains ont toujours aimé le blanc dans les intérieurs. Regardez les voitures américaines, il y a souvent des intérieurs blancs. Moi personnellement, j'aime pas trop, c'est très salissant. D'ailleurs, on voit qu'avec le temps, c'est plus très blanc. Mais bon, ça, c'est des voitures américaines de cette époque-là. La capote, est-ce qu'elle est quand même... Elle est pas lourde, elle est électrique quand même. Non, non. Elle n'est pas électrique. Mais ça, c'est même très... 3-9 secondes de la voiture, mais elle est... Combien en 20 secondes, c'est fait. Il y a juste à... Alors, on va se mettre dans la clip, c'est bon, c'est fait. Il y a deux clips de chaque côté, et c'est bon. Et l'arceau, bien sûr, qui sert de reposoir à la capote, également. Donc les voitures sont mieux peut-être finies que les européennes. Parce que bien sûr on disait que l'intérieur était en cuir. Je crois pas qu'il y avait ça sur les modèles européens. On retrouve les manos qu'on avait sur les GTI. Oui. Hein, au niveau de la console centrale. Ça c'est typiquement le volant qu'on reconnaît entre 1000. Et apparemment il n'y a pas d'autres transformations par rapport à un modèle européen. Toi qui la connais mieux que moi. Non, il n'y avait pas de particulier. On n'a même pas de vitre électrique. Non. Par contre, elle avait une climatisation. Ah oui, chose qu'on n'avait pas. Non. Ça, les Américains, ils aiment bien la clim. Normalement, quelque chose. Clim et régulateur de vitesse qui n'existe plus, qui marche plus facilement. Le compteur a été changé. Donc le régulateur ne fonctionne plus. Mais il a le mérite d'exister quand même. Donc ça, c'est des options qu'avaient les Américains pour ce type de voiture. Type de voiture. Le moteur, alors. Ce fameux 1800 4 cylindres, bien connu, hein. Regardez, belle Renault blanche là qui passe. Alors j'ai cherché le propriétaire de la Dacia, d'ailleurs j'ai pas trouvé. Elle était sympa de la présenter. Je vous dis, quand vous avez une voiture intéressante à présenter, n'hésitez pas à venir vers moi. Je vous dirai si ça passe ou pas. Alors ce moteur, on connaît bien ce bloc, hein, bloc Volkswagen, qui a fait la réputation de Volkswagen à l'époque, hein, de fiabilité, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Et donc ce moteur légèrement incliné en arrière, donc un 1800 avec sa pompe injection, hein, ici, voilà. Donc on retrouve la même pompe injection, je pense, sur la version européenne. Hein, la GTI. Si quelqu'un est un spécialiste ici, hein, je pense que c'est la même pompe injection. Oui, c'est le LG Chronic là. Voilà, c'est ça, c'est la même chose. Visuellement, en tous les cas, ça y ressemble. Donc, avec les normes anti-pollution, ce moteur, il fait quand il livre combien de. Tu sais exactement. Alors, de moteur, c'était un JH, dans la catégorie de moteur. C'est un JH et il fait 98. 98, ah oui, c'est beaucoup plus faible qu'un moteur de GTI de l'époque. Oui, 98. Spécialiseur. Ouais.
Parce que je pense qu'à l'époque, les 1800 GTI faisaient combien ? 112. Donc voilà, on perd de la puissance, hein. Ça c'est sûr, mais ça c'est toutes les normes américaines qui... voilà. Après, ça reste la même base. Donc à conduire, bah, c'est reste une Golf. Tout à fait. Mais comment on peut acheter une voiture comme ça? Parce que c'est un hasard. Parce que toi, tu étais attiré par une Golf cabriolet ou c'est le coup de cœur ou tu es tombé par hasard dessus? Non, je cherchais une voiture un petit peu atypique et puis un petit peu ancienne et puis je suis tombé sur celle-ci. Dans la région? Non, c'était du côté d'Orléans. D'Orléans. Et puis bon. Bah, c'est un particulier. C'est la personne qui l'avait réimporté récemment. Il a cédé. Il y a combien de temps ça? C'est récent, tu disais. Moi, je l'ai depuis 2015. Ouais. Et donc, tu es content, tu es content de la garder encore un peu. Oui. T'as jamais rien fait de la carrosserie de la voiture? Alors, la carrosserie. Là, j'ai fait refaire la peinture. Ah, la peinture a été refaite. Oui. Je me disais, elle est bien préservée. Et sinon, bah, c'est son entretien habituel. L'embrayage a été changé il y a un mois. Ouais. Elle est suivie régulièrement. Ben moi, c'est la première fois que j'en vois une. À part dans les séries américaines, on en voyait, parce qu'on reconnaît ça, bah, c'est le fameux pré-pare-choc. Et c'est la première fois que j'en vois. Et je pense que la plupart des gens ici, c'est la première fois que vous voyez une Golf 1 américaine. Je l'ai jamais vu avant. Et ben voilà, ça se passe aux étangs d'Apigné. Merci à toi d'avoir présenté cette voiture. C'est quoi ce truc-là? Ah, la boîte à eux, c'est par rapport. C'est quoi? C'est par rapport, en principe, avec l'imagination. Ah, d'accord. Et bon, elle n'est plus le compresseur est dessous, là. Ouais. Elle n'est plus opérationnelle. Donc, je la remettre. Ah oui, c'est un système de répression. Oui, oui, oui. Des relais. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah, d'accord. Bonne question. Et j'ai mis du temps à savoir ce que c'était. Et j'avais même pas vu en fait. Ouais, ça c'est bizarre. Ou des boules de bowling. Ouais, des boules de bowling. Des boules de pétanque. Oui, c'est un boules de pétanque. Bien. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Merci. C'est le Golf 1 cabriolet USA. Moi, c'est la première fois que j'en voyais. En vrai. J'ai le temps de faire ça. Bah, alors, je t'ai jamais vu. Et ben toi, il y a un temps pour tout. La ref arrivait avant 11h aussi. Hein. Non, mais les choses, sont faites.